Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors, Luc, je t'avertis tout de suite, ça se peut que j'hérite d'un chien dans les prochains jours et son nom, c'est Hunter. Donc, si tu me vois crier Hunter, Hunter, c'est pas le fils de Joe Biden. C'est le nom du non, chien. Mais écoute, c'est le temps ou jamais de t'en aller aux États-Unis et dans le sud, de visiter le sud avec ce chien-là. Écoute, tu vas faire un malheur. Ils sont plusieurs comme ça à crier Hunter, Hunter en courant dans le sud. Hunter, arrête de faire caca, Hunter. Bon, OK. Alors, Luc, l'enquête en destitution contre Joe Biden est lancée. Oui, voilà. Donc, au-delà, et c'est une excellente transition, on va passer d'un Hunter à l'autre. Et je pense que les démocrates auraient envie de dire la même chose à Hunter Biden que ce que tu vas lancer éventuellement à ton animal de compagnie. Donc, la raison pour laquelle, bien sûr, M. Biden est là, il y a, et c'est souvent le cas avec une procédure de destitution, c'est une procédure politique, il faut toujours le rappeler. C'était vrai pour Trump, c'est vrai aussi pour M. Biden. Donc, bien entendu, les républicains en ont largement dans leur assiette pour être attaqués ces jours-ci, pour être pointés du doigt, et ils se donnent en spectacle, et de ça, on a déjà discuté ensemble. Maintenant, bien sûr, on met l'accent sur ça pour dire, grosso modo, mais il y a plus sérieux quand même derrière ça. Il y a beaucoup d'allégations qui circulent sur la famille Biden depuis des années. C'est pas récent, ça fait des années ça que ça traîne. Et cette fois-là, ben on se sert des démêlés bien réels du fils pour essayer, bien sûr, d'entacher le père ou de le lier à ces histoires-là. Il y a deux angles sous lesquels on va attaquer Joe Biden, ou du moins on va tenter de l'attaquer parce qu'on est qu'à l'enquête qui précède la mise en accusation du président. Dans cette enquête-là, donc, on va dire, écoutez, dans ces négociations avec l'étranger, Hunter Biden, ce qu'on est en mesure maintenant de prouver, j'attends toujours, mais c'est ce qu'on avance. Donc, on est en mesure de prouver que Joe Biden a profité d'ententes qui servaient à son frère, Joe Biden, ou encore à Hunter Biden. Et Hunter Biden s'est servi des adresses de son père au Delaware, entre autres, pour faire transférer des fonds. Mais grosso modo, ce qu'on veut dire, parce que pour accuser le président, il faut que ce soit lui qui soit impliqué. Oui, donc, oui. Il faut montrer que Joe Biden a touché à ça et qu'il est mêlé à ces histoires-là. Au moment où on se parle, je le répète, il y a beaucoup d'allégations. Les partisans de Trump qui m'écrivent régulièrement, quand j'écris sur les démêlés du président, me sortent toujours ça. On a des preuves. Ah, attendez, moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu de fil qu'on peut attacher. Est-ce que je suis inquiet puis est-ce que je souhaite qu'on aille jusqu'au bout? Oui. Mais attendons les preuves. L'autre angle, Richard, puis il n'est pas à négliger, et cette fois-là, c'est une autre façon de s'en prendre à Joe Biden, et on verra si on arrive à le prouver, c'est pas le cas jusqu'à maintenant non plus, mais on dit que c'est parce qu'il est président, Hunter Biden a bénéficié d'un traitement préférentiel, aurait bénéficié d'un traitement préférentiel de la part du service du revenu aux États-Unis, donc dans ses déclarations de revenus, des impôts impayés, et aussi au sein du ministère de la Justice en raison de cette arme illégale qu'il s'est procurée illégalement en ne complétant pas toutes les informations au moment où il remplit le questionnaire qui précède l'achat. Il consommait de la drogue à l'époque et ne l'aurait pas dévoilé. Mais ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est prouver que Joe Biden a bel et bien indiqué au ministère de la Justice, au département de la Justice et au revenu qu'on devait traiter son fils différemment. Ils ont essayé de faire ça avec Bill Clinton, avec l'histoire de Monica Lewinsky, l'histoire de Whitewater, on se souvient. Ils ont essayé de faire ça avec Hillary Clinton, avec ses courriels, puis son ordi, puis tout ça. Là, ils essaient de faire ça avec Joe Biden. À un moment donné, tu as le goût de leur dire, si vous voulez vous débarrasser du président, essayons de gagner les élections. C'est comme, on dirait qu'ils sont tellement désespérés, puis ils savent tellement qu'ils peuvent pas gagner les élections, qu'ils vont essayer de le sacrer dehors par une autre façon, par la destitution. Ce que ça met en lumière, parce que c'est en lien avec un autre dossier présentement aussi, qui est celui de l'impasse budgétaire. C'est possible, quand on va se reparler la semaine prochaine, que les États-Unis soient en ce qu'on appelle un shutdown, qu'on ait fermé plusieurs services gouvernementaux. Pas tous, il y en a qui sont considérés essentiels, mais sinon, on risque de bloquer la machine, comme ça s'est déjà produit. Mais dans les deux cas, pour le budget ou pour ce qu'on fait sur M. Biden actuellement, ce qu'on déplore, même chez les républicains, même chez les bailleurs de fonds dont on disait hier, toi et moi, ils sont inquiets, ces bailleurs de fonds républicains,
c'est qu'on ne semble pas avoir d'idée à proposer. On peut être sur la défensive. Le rôle de l'opposition, c'est de réagir, puis c'est de démonter les arguments de ceux qui détiennent le pouvoir, le président ou la majorité démocrate. Mais il semble qu'on traverse chez les Républicains l'ère du vide. On n'a pas d'idées qui viennent de la faction radicale qui bloque les négociations actuellement au Congrès. Les Républicains s'y perdent entre eux. Puis ce qu'on voit derrière la procédure de destitution, on a même fait appel à un historien qui était venu témoigner dans le procès en destitution contre M. Trump, Jonathan Turley. M. Turley est venu dire hier, vous avez pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de cette histoire-là, à la lumière de ce que vous avez fourni. C'est pas un témoin qui est impliqué. C'est pas un témoin dont on va dire, même que généralement, si moi je me permettais un jugement sur M. Turley, je dirais qu'il était plus près des intérêts républicains. Et ils ont dû être très déçus hier de ce témoin qu'ils ont fait venir parce qu'il leur a dit, à la face de tout le monde, vous n'avez pas ce qu'il faut pour une procédure de destitution. Donc, ça nous montre quelque part, ou c'est en tout cas un indicateur qui tend à confirmer qu'on fait ça. On ne fait ça que pour du vent, que pour de la politique. Alors là, ça prend un petit thème musical. Le cirque Donald Trump qui continue. Donc, voilà. Écoute, c'est la semaine prochaine, c'est le procès contre Donald Trump. Voilà, puis il fait un procès qui s'est amorcé fort mal pour lui. Deux échecs avant de commencer. Le premier, il a tenté de faire, comme et c'est une stratégie, ça on peut le comprendre, il a tenté de faire reporter le début de ce procès-là. L'idée, dans chacun des procès d'ailleurs qui l'implique, mais ça va mal de ce côté-là, c'est étirons les délais au maximum, puis étirons-les au-delà de l'élection 2024. On vient de lui refuser ça. Et c'est une cour d'appel qui lui a refusé ça. Maintenant, le procès, avant même qu'il ne débute lundi, le juge qui est en charge du procès a déjà dit « Vous êtes responsable d'une fraude ». Et cette fraude, la procureure, Mme Willis, a bel et bien fait son travail. Vous fraudez depuis au moins une période d'une bonne dizaine d'années. Donc, il est presque condamné au moment où le procès s'amorce. Ça fait un certain temps que je dis déjà, si quelqu'un va parvenir à freiner Donald Trump, ce sont les tribunaux. Les Républicains osent pas pour des enjeux politiques. Les démocrates ils font ce qu'ils veulent, mais des fois même, ils apportent de l'eau au moulin de Donald Trump de par le fait qu'il porte certains projets auxquels les Américains sont totalement allergiques. Donc, il y a une certaine gauche plus doctrinaire, intellectuelle. Donc, on réagit aussi vigoureusement à ça. Donc, qui est là pour le freiner? Moi, je pense que ce sont les tribunaux qui vont... Voilà. Et jusqu'à maintenant, rappelons-le, on le coince presque à chaque fois. C'est pas la première fois là, qu'il va être reconnu coupable. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il va être témoin? Est-ce qu'il va aller témoigner à la barre lors de ce procès-là? C'est une des choses qu'on veut. On veut entendre Donald Trump. Il est accusé avec ses enfants. Et ce qui est intéressant dans ce procès-là, pour si on est un démocrate à tout le moins, et je suis peut-être plus inquiet si je suis M. Trump, c'est que ça se décide pas devant le jury. Ses avocats ne peuvent pas déterminer ou influencer la sélection du jury. Démocrate et républicain, ou la défense, hein, ou le procureur. Donc, on essaie d'influencer le verdict en ayant notre mot sur la formation du jury. Dans ce cas-ci, c'est le juge qui va trancher. Mais le juge vient déjà de donner une bonne indication jeudi, vendredi dernier, de là où il loge présentement. Il a pas l'air d'être très objectif. Et en terminant très rapidement, Taylor Swift est partout. Est-ce que tu es un Swiftie? Jean-François Lisée me dit qu'il était un Swiftie, lui, l'autre jour. Est-ce que tu étais un Swiftie, mon cher Luc? Ah, écoute, je peut-être... tu vas dire, il arrive jamais à se brancher, Luc Liberté. Je suis un Swiftie modéré, par intérêt. Donc, je connais beaucoup de gens qui sont des Swifties. Beaucoup de mes étudiants le sont. Et j'avoue avoir pris goût à certaines mélodies. Mais je suis pas un fan fini. Je peux pas me définir comme un Swiftie. Ce que je trouve particulièrement amusant, c'est le mélange, mais c'est le système du végétarien. Elle fréquente maintenant Travis Kelce qui joue pour les Chiefs, qui est déjà un joueur un peu hors norme. C'est un bon athlète, mais c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui recule jamais devant les projecteurs. Vous avez donc quelque part deux machines qui œuvrent bien chacune dans leur domaine, mais qui ont un sens du spectacle intéressant. C'est fou de voir à quel point tout ça a éclaté. Le mélange des deux, là, l'association des deux, autant pour le football que pour le monde du divertissement. Le football, c'est un peu du divertissement aussi. Mais là, on change de planète avec ça. Écoute, je connais pas vraiment sa musique. Là. Je vais avoir l'air mon oncle, OK, mais je la trouve
tellement joli que je suis un Swiftie. OK, donc il faudrait que j'écoute sa musique, après ça on verra. Merci beaucoup, Luc Laliberté. Et je te dirai la même chose qu'aux Républicains pour la fin de semaine. Bonne chance avec Hunter, Richard. Hunter! Hunter! Arrête de faire caca! OK, salut! Bonne fin de semaine. Bon week-end. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.